Et je dis bonjour tout de suite à mon premier invité, Patrick Karam. Bonjour. Bonjour. Alors, Secret Foam existe depuis peu ? Oui, il a été créé le 31 janvier 2014 avec le ministre des Outre-mer, Victorin Lurel. Et d'ailleurs, chez Victorin Lurel, au ministère de l'Outre-mer, il a été créé par 28 députés, sénateurs, présidents de régions et départements d'Outre-mer, 130 associations et quelques 80 personnalités de l'ensemble des Outre-mer. C'est un véritable instrument aujourd'hui que nous avons de rencontre à la fois des Outre-mer, de l'Hexagone et des Outre-mer, mais aussi un instrument de lobbying important. Nous travaillons directement avec le président de la République que nous avons vu deux fois. Nous travaillons aussi avec ses ministres. Nous essayons de mettre en place des politiques publiques qui sont favorables aux Outre-mer, des politiques publiques qui peuvent changer la donne. Et l'un de nos chantiers phares est l'égalité réelle. Égalité réelle, on veut pouvoir accélérer aujourd'hui ce qui se fait, c'est-à-dire le rattrapage des Outre-mer par rapport à l'Hexagone. Ça s'est arrêté avec la crise en 2009. Mmh. Avant, pendant 20-30 ans, nous avions un rattrapage avec un différentiel de revenus par habitant qui progressait chaque année. On l'expliquait notamment par les transferts sociaux qui progressaient, mais ça s'est arrêté en 2009. Il faut aujourd'hui que l'on puisse reprendre le chantier de sorte que, par territoire, on ait un plan qui permette de garantir cette évolution, qui permette de garantir que chaque territoire, des chances, ouais. Chaque territoire, c'est pas une égalité des chances, c'est aussi une égalité réelle. Mmh. Ça n'est pas une égalité des chances, c'est un autre sujet, l'égalité des chances, mais qui permet de garantir à chaque territoire une progression du revenu par habitant supérieure à la moyenne nationale de manière à combler le trou. Aujourd'hui, en moyenne, nous avons un revenu par habitant inférieur de moitié à l'Hexagone. Inférieur à moitié. Il faut pouvoir fixer à l'État un cap, une obligation de résultat. Les moyens, ce seront des moyens que décideront ensemble le gouvernement et les collectivités, mais une obligation de résultat sur un résultat. Mmh. C'est un rattrapage. Alors c'est difficile, hein, parce qu'il y a certains qui sont sous le statut de POM, pays oui. d'outre-mer, d'autres territoires d'outre-mer, TOM, et puis il y a ces fameux départements. Donc comment faire Vous avez compris la complexité de notre tâche. Outre le fait qu'on intervient aujourd'hui dans un schéma économique très compliqué, très complexe, et donc demander des efforts supplémentaires au gouvernement, c'est compliqué, mais on a bon espoir d'y arriver avant la fin du quinquennat de François Hollande. Il y a cette difficulté juridique. Sur les DOM, nous savons qui a la compétence, c'est l'État sur ensemble de domaines, une compétence qui peut être ensuite discutée, partagée avec les élus locaux. Sur les POM, il y a une très grande autonomie qui dépend d'ailleurs des territoires. Saint-Pierre et Miquelon, c'est comme un département, il n'y a pas de différence ou très peu de différence avec un département, mais quand vous parlez de la Polynésie, quand vous parlez de Nouvelle-Calédonie, là vous avez des compétences locales extrêmement fortes. Et donc, ce plan de rattrapage devra de toutes les façons passer par un dialogue étroit. Il ne pourra pas être mis en place par le gouvernement de manière unilatérale. Il faut qu'il passe par un dialogue étroit avec les responsables locaux. Oui, que le président de la Polynésie décide lui aussi de ce qu'il a envie de mettre en place dans son pays, comme le président de la Nouvelle-Calédonie. Qu'il décide, mais qu'il décide en lien avec l'État. Ce sera le cas pour l'ensemble des Outre-mer, qu'il y ait une décision partagée. Mais encore une fois, ce sera beaucoup plus complexe avec les pommes et les coms. Simplement, ouais. sur cette question-là, soyons clairs. Aujourd'hui, nous avons des politiques économiques différenciées suivant les territoires. Ce que nous voulons, nous, aujourd'hui, viser, c'est ce qu'on appelle l'égalité économique. C'est ce qui manque aujourd'hui. C'est ce qui bloque aujourd'hui. C'est le plafond de verre auquel les Outre-mer doivent s'affronter aujourd'hui. Ce plafond de verre-là, il faut qu'on trouve des voies c'est-à-dire et moyens d'avancer. Par rapport au niveau de vie là-bas, on a plus ou moins les mêmes salaires qu'ici, sauf que le niveau de vie ici est plus bas, donc logiquement, on s'en sort un petit peu mieux. Enfin, donc, vous n'êtes pas en Polynésie, le niveau de vie là-bas est plus bas, pas ici. Ça dépend. Le niveau de vie par habitant est plus élevé en moyenne nationale dans l'Hexagone, et suivant les territoires d'outre-mer, il y a une variation. Par exemple, la Nouvelle-Calédonie, le revenu par habitant avoisine 80% du revenu national.
Par contre, dans d'autres collectivités comme Mayotte, c'est 20% du revenu national par habitant. Justement, alors donc, quand il vous y a parlez un différentiel très fort. Quand on veut qu'il y ait de l'égalité pour tous, comment on fait dans ce cas-là pour quelqu'un? Mais nous avons effectivement pris en comment dirais-je, comme étalon de référence la politique des 30 dernières années, puisque les 30 dernières années, il y avait une progression du niveau de vie par habitant dans l'ensemble des collectivités. Nous avons fait une projection pour le futur. Et bien évidemment, il n'y aura pas un plan globalement pour l'outre-mer, il y aura un plan par territoire, c'est-à-dire que chaque territoire aura un différentiel de rattrapage avec des taux de rattrapage différenciés, pour être réaliste. Alors, vous allez commencer par quel endroit? Est-ce que vous commencez d'abord par les départements? Il faut que le plan et les obligations doivent être globales, c'est-à-dire dans chaque département, nous avons, avec des experts économiques importants, nous avons créé, nous sommes en train de finaliser ce plan. On va essayer de le faire partager par l'ensemble du gouvernement, par le président de la République. Ce sera l'objet du débat et du dîner que nous aurons le 21 novembre, puisque le 21 novembre, nous organisons notre le premier dîner du CREFOM à l'hôtel de ville avec le président de la République. Il sera présent. Mon discours portera sur l'égalité réelle et il devra nous répondre sur cette égalité réelle et sur ce plan concret que nous aurons transmis au préalable à ses services et que nous souhaitons voir prendre. Nous aurons ensuite des interventions sur d'autres domaines qui porteront effectivement, qui tourneront autour de l'égalité réelle, mais le premier discours, le discours structurant, c'est l'égalité réelle économique en passant par ce revenu par habitant qui nous semble important. Alors vos missions, bien sûr, c'est défendre les Outre-mer, on a bien compris. Donc vous allez organiser ce dîner. Vous n'allez pas donner la priorité à un département ou à un autre. On a bien compris que vous avez envie de balayer tous les Outre-mer quasiment en même temps. Il faut juste que chacun réagisse aussi en fonction de son territoire. Il faut être très clair. Nous avons au CREFOM l'ensemble des territoires. Les parlementaires de l'ensemble des territoires sont au CREFOM. Imaginez que si on devait favoriser telle ou telle collectivité, tel ou tel département sur tel ou tel autre, ça poserait un problème politique majeur. On ne peut pas réclamer plus d'égalité et dans le traitement quotidien qu'on en fait, aboutir à un déséquilibre. Non, on va travailler de manière linéaire, mais simplement les plans qui devront être mis en place ne pourront pas être linéaires. Ils dépendront des territoires, ils dépendront aussi quand il y a une forte autonomie du pouvoir politique en place. Ils dépendront aussi, les variations dépendront du niveau. Par exemple, Mayotte n'atteindra pas l'égalité réelle économique en même temps que la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, etc. Parce que Mayotte a un différentiel beaucoup trop important. Donc il faudra prendre en compte, et on n'a pas le choix, il faudra bien prendre en compte, en réalité, la situation actuelle, les perspectives de progression, ce qui a été fait dans le passé pour pouvoir bâtir et proposer ce plan. Le CREFOM, ce n'est pas un service public, ce n'est pas monsieur et madame tout le monde qui vient vous voir, c'est les pays qui travaillent avec vous, les départements qui travaillent avec vous, les territoires. Oui, il faut lever tout de suite cette ambiguïté. Oui. Nous sommes composés effectivement d'élus, mais nous ne faisons pas le job des élus. Nous n'allons pas et nous ne nous substituons pas aux parlementaires qui sont chez nous. Nous les appuyons quand ils le demandent. Nous avons pu le faire sur l'île de la Réunion. Nous ne nous substituons pas aux associations. Donc nous saisir pour demander des interventions sur les congés bonifiés ou d'autres sujets, ça n'est pas l'actualité du CREFOM. C'est aux associations à faire ce job-là. Parce que imaginez si on venait et qu'on voulait tout faire, vous imaginez ce que pourraient penser les uns et les autres. Ils pourraient penser qu'on serait en logique de prendre leur place. Non. Et pour parler et pour revenir à ce dîner du CREFOM, c'est le premier. On avait deux choix. Soit un choix très élitiste. On invite une élite, et une élite strictement. C'est un peu ce que fait le CRIF. Le CRIF, pour entrer au dîner du CRIF, il faut d'abord être invité. Deuxièmement, il faut payer par personne 450 €, et il n'y a pas plus de 2 invitations par famille. Ce n'est pas le choix que nous avons fait. Nous avons dit qu'il y aura l'élite, il y aura le président de la République, il y aura un ensemble de ministres, il y aura des personnalités de la vie nationale française et d'outre-mer. Des décideurs économiques seront aussi présents. Nous voulons aussi nous assurer de la présence des associations. Nous voulons aussi nous assurer de la présence des gens qui voudraient venir,
Et nous avons prévu une catégorie sympathisants. Ceux qui sont membres du CREFOM ont un tarif divisé par deux. Et nous avons fait un tarif très modéré. Je vous ai dit, le CREF, c'est 450 euros par personne. Nous, la salle centrale, c'est 75 euros. Et la salle qui est presque centrale, mais il n'y a pas de différence. Il faut bien mettre dans la tête de nos compatriotes qu'il n'y a pas de différence. C'est 50 euros pour les membres sympathisants du CREFOM, parce qu'il nous semble important d'ouvrir cet événement le plus largement possible, ne pas réserver cet événement à une élite. L'outre-mer, c'est l'affaire de tous. Alors oui, l'élite sera là, les politiques seront là, les politiques nationaux seront là, les élus d'outre-mer seront là. Oui, les élus de l'Hexagone aussi devront être là, et des personnalités marquantes de la communauté ultramarine de l'Hexagone, mais aussi des personnalités nationales, françaises. Parce que tous ceux qui œuvrent aussi au niveau des outre-mer, que ce soit ici ou ailleurs, absolument. Et qui sont de passage, par exemple à Paris. Mais absolument, et le CREFOM ne peut pas être réservé à une petite élite. Il faut être très conscient aujourd'hui qu'il y a une demande des uns et des autres de s'approprier un outil qui finalement leur appartient, même si les missions de cet outil sont des missions d'intérêt général et donc collective. C'est un outil qui appartient aux uns aux autres et qu'il appartient aux uns aux autres de s'approprier. Ce premier dîner est important. Voilà. Les associations d'ultramarins, sans qu'elles s'occupent réellement, par exemple, d'un pouvoir, économique ou politique, peuvent aussi venir. C'est l'occasion de découvrir le CREFOM. Mais beaucoup d'associations ont déjà pris leur place au dîner du CREFOM. Beaucoup de personnalités ont déjà pris leur place au dîner du CREFOM, je parle d'ultramarins, mais aussi des personnes qui sont de simples sympathisants, qui n'ont pas d'association et qui ont souhaité être présents et témoins de ce grand événement. Alors c'est vrai que nous aurons une partie politique importante. C'est un dîner politique, c'est pas un dîner. On vient pas simplement pour s'amuser, pour être ensemble, etc. C'est un dîner politique avec des demandes politiques extrêmement importantes sur lesquelles nous attendons des réponses importantes. Mais il y aura de la part du président, de la part de ses ministres, de la part de l'opposition, puisque l'opposition va venir. Nous avons déjà reçu quelques adhésions importantes, et aussi bien de la droite centriste que de la droite UMP. Pour s'inscrire à ce dîner, les inscriptions sont déjà ouvertes. Il faut aller sur le site du CREFOM. CREFOM, c'est le conseil représentatif des Français d'outre-mer. Vous tapez sur Google CREFOM et vous allez sur le site internet du CREFOM, et vous avez effectivement la possibilité, d'abord pour ceux qui voudraient associations, élus ou sympathisants, prendre leur adhésion CREFOM, c'est 10 euros la possibilité de le faire. Ceux qui veulent ensuite aller au dîner peuvent aller dans la salle qui est juste à côté de la salle centrale, c'est 50 euros, et j'invite nos compatriotes à aller dans cette salle. Inutile de payer 75 euros. Certes, il y aura le président dans la République, mais on le voit tout aussi bien dans la salle à côté. Et puis, le président de la République, nous aurons un temps d'échange avant, puisque nous souhaitons que les invités arrivent vers 18h30. De 19h à 20h, il y aura un cocktail dans une salle annexe. Dans cette salle annexe, les gens seront debout, pourront parler, approcher les personnalités, approcher les élus, approcher les politiques, les voir, discuter avec eux. Donc il y a ce cocktail-là. Et ensuite, dans deux autres salles, c'est les deux salles où nous avons ouvert les inscriptions, ils seront assis. Il y aura bien sûr un temps de divertissement. C'est une force aussi de l'outre-mer que d'être capable de mettre en place des cultures polynésiennes. Il y a des groupes polynésiens, il y a des groupes mahorais, il y a des groupes réunionnais, de Wallis et Futuna et de Nouvelle-Calédonie. L'ensemble des outre-mer sera très présent, très représenté. Et puis la banane aussi. C'est un des éléments structurants de l'économie de certains pays, les Antilles notamment, d'outre-mer. L'UGP Ban est un des partenaires de notre dîner. Nous aurons donc à ce dîner-là un temps de divertissement, mais aussi un temps politique qui va être fondateur. Ce sera une première, et moi je souhaite dire à nos compatriotes d'être extrêmement vigilants sur ce que nous allons pouvoir prendre comme décision. S'ils veulent être là, ils sont les bienvenus, simplement les places se remplissent très vite, il faut qu'ils le sachent. Nous avons réservé des places aux ministres et des places pour les parlementaires. Le principe est que à ce dîner, on puisse avoir cette représentation nationale forte,
Mais moi, j'ai souhaité, nous avons souhaité au bureau du CREFOM, de faire du CREFOM un outil aussi populaire. Et c'est pour ça que nous ne l'avons pas restreint ces places-là à l'élite. Voilà, et on vous redonnera bien sûr toutes les adresses du CREFOM, que ce soit sur Facebook ou sur le site web. Et puis la date de ce dîner, on vous le rappelle, ce sera le 21 novembre prochain. Et dépêchez-vous pour vos inscriptions. Merci Patrick Karam. Revenez quand vous aurez un chantier de terminé pour nous en parler. Nous avons déjà bouclé un certain nombre de chantiers, mais c'est inutile. Nous ne communiquons pas de manière conséquente systématiquement. Il y a un élément que je souhaiterais signaler à nos compatriotes et qui nous soucie énormément. C'est le phénomène des Français convertis qui partent faire le djihad. C'est 20% de ceux qui combattent aujourd'hui en Syrie et en Irak sont des Français convertis. Et parmi ces Français convertis, vous avez des ultramarins. Vous avez aussi des ultramarins musulmans qui ont redécouvert une certaine forme extrémiste et qui finalement penchent et sont allés faire le djihad. Il faut absolument avoir un programme. Moi, c'est un appel que je veux lancer aux familles. Je veux dire aux familles aujourd'hui, quand vous avez un enfant, et on s'adresse là à des jeunes, parfois de 14, 15, 16 ans, des adolescents qui vous sont pris en charge par des djihadistes, des sites internet qui émettent directement de la Syrie. Quand vous sentez que son comportement change, quand vous sentez que brusquement ils arrêtent de serrer la main des femmes, quand vous voyez qu'il arrête de se comporter comme il le fait, il change complètement de cercle de vie, commencez à vous interroger. Souvent, aujourd'hui, nous avons une conversion et un passage de djihad qui se fait très rapidement. Moi, je vous invite à appeler un numéro vert qu'a mis en place le gouvernement. C'est le 0800 005 696. Ce numéro vert sert à deux choses. Pour ceux qui ne sont pas encore partis, c'est aider les familles. Les directeurs de cabinet des préfets de département mettent en place une cellule sociale pour aider les familles à parler aux gamins et à empêcher que des gamins n'aillent se pervertir dans un conflit qui n'est pas les leurs. D'accord. Et deuxième chose, pour ceux qui sont partis, moi j'appelle les parents à prévenir. Parce que ceux qui sont partis, s'ils reviennent, peut-être qu'ils ne feront rien. Mais s'ils mettent des bombes, s'ils commettent des attentats, outre leur vie qu'ils auront gâchée, il y a aussi toute la... Tous des Français innocents qui paieront leur retour. Il faut que nous ayons, comme tous les Français, une vigilance. C'est un phénomène qui touche l'ensemble des Français. L'outre-mer n'est pas épargné. Les Français d'outre-mer ne sont pas épargnés. Et nous devons être sur cette question extrêmement vigilants. Nous aurons au CREFOM un programme, nous allons développer un programme très précis pour répondre à cette question-là. C'est la question des prochains mois, des prochaines années, qui interrogera la France et qui interrogera aussi l'unité nationale et le vivre ensemble. Alors j'espère que vous reviendrez justement et on fera une émission sur ça pour prévenir tous les ultramarins. Et on redonne le numéro vert 0800 005 696 si vous êtes en train de vivre ça. Merci encore. Merci Patrick Karam. Vous.